Le Spigao, c'est une association, loi 1901, qui est basée sur Barjols, qui édite trimestriellement un journal participatif local qui vise à mettre en valeur les initiatives des habitants de la communauté de communes Provence-Verdon. C'est aussi une association qui se propose d'organiser des événements à visée pédagogique et culturelle, et notamment ce soir, par exemple, l'invitation de la SCOP du Vent Debout, qui vient de Toulouse, pour un exercice d'éducation populaire, si on peut le dire comme ça. Voilà ce que c'est que le Spigao. La chorale du village, la Saint-Marcel, la fête de Paris sur ta cassette, match de rugby. Ici, à Barjols et à Seigneur, c'est une gesticulation collective. Donc il y a pour particularité qu'on fait vraiment quasiment que du récit de vie. On apporte très peu de savoir et de connaissances. C'est plutôt, on veut parler des engagements, mais on pense que nous, on n'est pas plus experts de l'engagement que les autres. Et du coup, on amène les gens à raconter des parcours, des moments de leur vie qui ont amené à leur construction politique. Quand je dis politique, à leur construction en tant qu'individu, citoyen, pensant, agissant dans ce monde. Et du coup aussi leurs engagements, à quoi ils se sont confrontés. Voilà. Partager des expériences comme ça pour parler de l'engagement. Conférence de l'Université populaire, conseil municipal, réunion publique, vide-grenier, la libération de Barjols, les lives in Seyon, manifestation contre la loi de travail, ciné-débat, marché nocturne. Repas au cercle. J'attends cette conférence justement qu'on puisse tous échanger sur ces points de vue-là, voir ce que c'est peut-être pour d'autres personnes. Peut-être qu'il y en a d'autres pour qui c'est un engagement politique ou des choses plus profondes, ou alors pour d'autres comme moi c'est plus participer à la vie de la société, et j'aimerais savoir ce que pensent les autres gens, quoi, justement, échanger ensemble sur ces sujets, quoi. C'est ce que j'attends de cette conférence. A priori c'est interactif, c'est sous forme un peu d'échanges animés par une troupe, je sais pas trop en fait où je mets les pieds, mais en tout cas le sujet autour de l'engagement et puis non partisan dans le sens où c'est ouvert, ça m'intéresse fortement, quoi. Finalement on est souvent dans nos têtes, à nos pensées, à nos réflexions, et puis on voit la société qui ressemble pas tellement à ce qu'on a nous au fond de nous, et puis on se sent souvent seul. Alors là je viens me réchauffer le cœur. Mais seulement mes parents, c'était des petites gens. Ils avaient peu. Ma mère, elle a commencé en pantoufles et mon père, il était de l'assistance publique. Ma mère avec les dettes de sa mère. Mon père était à droite, ma mère était plutôt à gauche, d'après ce que je pouvais comprendre. J'ai arrêté l'école après avoir passé un BEP. Et j'ai repris mes études bien plus tard parce que j'ai eu besoin, je pense. L'engagement, c'est aller au bout de ses convictions, c'est faire en sorte que nos agissements individuels, il n'aient pas de répercussions négatives sur notre environnement. L'engagement, c'est d'abord peut-être, effectivement, il y a une résonance politique, toujours. Donc un engagement, ça a forcément une couleur, pour moi. Et après, dans le quotidien, après, c'est des pensées, bien évidemment. Des volontés personnelles, des objectifs, une utopie aussi certainement qui nous pousse à nous engager vers donc une idée et après vers des actes, et les actes je laisse la place aux autres, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour voir les gens qui sont engagés et qui font quelque chose de cet engagement. Pour moi l'engagement c'est participer à des actions sociales et participer un petit peu à la vie d'une commune par exemple, et ce qu'on fait nous aussi beaucoup ici. Nous, en plus, on s'occupe de faire la nourriture, donc c'est participer au travail de tous et puis faire des choses pour le bien commun, quoi. C'est mon idée de l'engagement, à moi. Participer à des assos.